me under the moonlight. We'll be magical as we Bon matin! Vous chantez pas avec moi? Bon matin! On est vendredi matin, donc c'est le vlog week-end! Il est 8h38, on se dirige vers la garderie. Les enfants se sont tellement levés tard. À 7h45, je crois, ils dormaient encore. Je me suis levée avant eux. Hier, on a tellement passé une belle journée. Vous avez suivi mon vlog. Et nos plans pour ce week-end. En fait, aujourd'hui, là, je dois aller. Je suis vraiment... Quand je vous dis que je suis pas tant une bonne cliente, là, je vous explique. Le catou, là, nous, on s'avait fait prêter des catou à mon renouvellement de vœux. Moi, on m'a fait prêter une robe par Espace Blanc de Blanc. Mais tout de suite après, nous, dans le fond, le catou, ça tombait comme au début de nos vacances. Puis on allait à l'extérieur, si vous vous souvenez. Puis en revenant, j'ai recommencé à travailler. Donc, c'était le rush total. J'avais zéro le temps d'aller le reporter parce que c'est vraiment loin. Là, c'est genre à 1 h et quelques de route. C'est à... Je sais pas, c'est 5 quelque chose. Fait que là, c'est ça. Faut que j'aille le reporter parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Puis tu sais, c'est comme dans ces démos de robes. Là. Fait que s'il y a une mari qui va essayer des robes, là, elle est pas là, mais elle... Puis à faire une vente à cause de moi, parce que je me sens vraiment mal. Donc ce matin, je vais porter les filles à la garderie. Je vais aller me chercher un café. Je me suis mis un fond de silicone noisette. Ben non, on s'en va à la garderie. On s'en va porter les filles, chercher un café. On va descendre là-bas, aller-retour, en espérant que ça allait bien avec Axel. Ben joue, regarde, on a le temps, on est dans le trafic. Tu peux jouer, mon amour, avec ton jouet? Je vous le dis, capote sur leurs jouets de madame qui se sont achetés. Montrez-moi. Montrez-moi votre sacoche. On va la montrer aux amis. Moi, je vais vous montrer mon déguisement. Ah oui, on a acheté les déguisements hier aussi. De Anna et Elsa. On les avait déjà, gang, mais ils ont été détruits. On a un costume de neige, ami. Il s'est brisé maintenant, mais ça a un costume de neige. Puis on l'ouvre juste à l'Halloween, hein? Oui. Yes. Donc, c'est ça. On va le donner, maman va le montrer. Non. Bon. J'ai déjà montré. Donc, OK. Ensuite, je retourne à la maison. En espérant que j'ai le temps de faire du ménage parce que c'est une vraie soupe de cochon. Hier, j'ai fait mon jeu du colis. J'ai tout laissé traîner. Les enfants... J'ai essayé de faire mon jeu du colis pendant que les enfants jouaient dans la maison. Mais en fait, jouer dans la maison slash mettre le bordel dans toutes les pièces de la maison. Je capote. Et dès que je les ai couchés, Max est arrivé. J'ai fait les lunchs pour aller là-bas. Fait que c'est vraiment le bordel. C'est pas sale. Comme je suis le temps, c'est jamais sale chez nous. Tu sais, ça devient tout le temps lavé, la cuisine lavée, mais ça traîne. Genre des jouets partout, puis du linge partout. Je suis en retard dans mon lavage. Ah, hein? Quand je vous disais l'autre fois là, qu'on y allait de reculons, là, c'est ça. Puis on est déjà, on est vendredi. Hey, je pense qu'on était dimanche. Je serais morte de tout. Donc là, plan de match pour aujourd'hui, si j'ai le temps de faire du ménage, ce serait vraiment l'idéal, là. Ensuite, on va chez des amis parce que Max doit faire les joints. Oui, oui, on va chez Thomas et Olivier. À la garderie. Exactement. Et c'est ça, on va passer la soirée là. Les enfants vont jouer ensemble pendant que Max fait la petite jobine. On va souper ensemble. Demain. Regarde. Hey, demain, on n'a rien de prévu. C'est vrai, on s'est dit qu'on ne ferait rien parce que si vous me suivez. Tous mes vlogs week-end, on est toujours parti ou je suis toujours partie. Fait que là, on s'est dit qu'on prendrait ça vraiment relax. La seule chose qu'on a pris, c'est le rendez-vous à Ali pour se faire couper le poil, le toiletter, là, parce que ça fait vraiment longtemps, puis elle fait vraiment petit, elle va plus rien. Puis c'est tout. Pour vrai, là, on s'est dit qu'on ferait vraiment rien d'autre. Genre un petit super relax, ramasser la maison,
peut-être faire les bacs, serrer le linge d'été. Là, ça fait un petit bout qu'on veut faire ça. Puis on a acheté des bacs hier, avant-hier. Et dimanche, on retourne chez mon ami Val pour écouter Occupation double! Hey, c'est le tapis rouge! Je veux les darmer! Je trouve ça juste pas. Je vous donne mon avis. Là. Ouais, le papa s'appelle Mathieu. Je vous donne mon avis. Tu sais, avant, là, c'était comme, on voyait pas. Oui, on voyait. Quoi? C'est Valérie. Tu sais, avant, mettons, on voyait aucun candidat. Puis là, on arrivait sur la première émission du dimanche. Puis là, paf! Genre, on voyait toutes les... Après, on était full excité par chaque participant. Puis là, on les a toutes vues dans le genre en route vers le tapis rouge. Puis là, tout circule sur Instagram, Facebook. Fait que tout le monde a vu tout le monde. Je trouve ça vraiment poche. Fait que c'est ça. Je trouve que j'aime pas tant leur nouvelle formule. Là. En tout cas, ça, c'est ma propre avis. Vous me direz, vous autres... Vous me direz si vous écoutez Occupation double. Puis moi, sérieusement, ces émissions-là, là, genre ça, L'amour est dans le pré... mais les autres, non. Tu sais, mettons, XOXO, j'écoutais pas vraiment ça. Love Story, j'ai jamais écouté ça. On dirait qu'il y a des affaires que je pogne plus que d'autres. Donc, c'est ça. Là, je vais... je suis en trafic à cause des travaux. Puis, on se parle plus tard. Oui, ça va être un grand café, mais j'ai ma tasse. Avec un petit matin du travailleur. C'est quoi ton café? Rien. Ok. T'as un wrap travailleur, bacon, tu sais? Pas wrap, ça va être sur bagel, sésame. Bacon, saucisse. Ensuite? Pas de fromage. Oui. Extra sauce. Ensuite? Ça va être tout. Donc, juste un... de me préparer puis de faire ma petite routine que je fais depuis de faire à peu près 17 jours. C'est je faisais une collaboration avec Écrimal de laboratoire Larima, comme ça, qui était pour les ongles, les cils. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est sûr. Pour vrai, là, tu sais, quand ils m'ont approché, ça a donné après, ben, pendant mon postpartum, là, que tes cils, c'est de la merde, puis que tes ongles, c'est de la merde, puis que tout est de la merde. Et sincèrement, là, je me suis dit, je peux rien essayer et je trouve ça fou. Mes ongles et mes cils n'ont jamais été aussi en forme. C'est même pas une joke, là. Genre, je vous le dirais si finalement ça avait pas marché, là. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir accepté cette collaboration-là parce que pour vrai, là, dans le fond, moi, j'essaie de me faire le vernis comme une fois par jour, mais... Je vais être honnête, j'ai pas le temps à tous les jours. Mais ce que j'utilise vraiment, vraiment, vraiment à tous les jours, c'est le. Pour les cils. C'est les deux trucs comme ça. Je vais tout vous laisser. Ah, il est ici, c'est ça. J'ai mis tantôt. Ici. Celui-là, c'est gel fortifiant, cils et sourcils. Fait que vous pouvez le mettre aussi sur les sourcils, mais moi, clairement, j'ai pas besoin de poils sur mes sourcils. Comme ça. Écrinal, là. Celui-là, je le mets comme. Surtout le soir, là, avant de me coucher, quand je suis démaquillée. Puis celui-là, là, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon coup de cœur. C'est un mascara, mais... comment qu'il l'appelle? Mascara non fortifiant. Tu peux quand même le mettre en dessous de ton mascara. Tu sais, exemple, que tu es en amour avec comme Maybelline, ben, tu peux mettre Écrinal en dessous et garder si tu aimes l'effet. Mais pour vrai, moi, maintenant, je mets juste lui. Je trouve qu'il fait vraiment... là, j'ai juste mis une petite couche, là, j'allais en remettre un autre. Là. Mais il fait vraiment des beaux cils. Il faut que je fasse mes sourcils aussi. Donc là, je suis en train de placer mes choses pour... je veux tourner une vidéo sur les trucs écolo. Donc, je sais pas s'il va être en ligne avant ce vlog-là. Probablement, parce que j'avais vraiment hâte de le mettre en ligne. Surtout depuis un an, qu'est-ce que moi, j'ai changé dans mon mode de vie pour être un petit peu plus écolo et faire ma part. Donc, je m'en vais tourner ça. Puis après ça, vers 3h, je m'en vais chercher les filles. Puis après ça, on s'en va chez des amis. Ah, oh, et je voulais vous montrer aussi. C'est sûr, je vais l'avoir montré sur Instagram, mais ça vaut la peine. J'ai reçu mes produits Carasson. Je parlerai pas trop fort parce qu'Axel s'est endormie pour une rare fois toute seule dans sa chaise.
les trios de Noël, ils sont sortis. Donc moi j'ai pris vraiment la gamme de blond absolu, évidemment. Pour vrai, là, je les aime tellement. Là. Celui-là, c'est Sérum Universel Fortifiant. Donc j'ai pris ces trois-là. Et j'ai pu vraiment faire beaucoup de ménage, tout mon lavage. Dans cette chose, il va juste rester à plier. Au pire, je vais faire ça demain. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est vraiment une journée productive, les amis. Mon bouton, ma pile de linge et Axel, on vous dit bon matin, bon samedi matin. Il est 8h47, les filles sont parties à la danse avec papa. Ça risque d'être probablement la seule fois que c'est lui qui y va, parce que c'est moi qui aime ça aller à la danse. Mais aujourd'hui, mon plan de match, c'est de rester en pyjama toute la journée et de vraiment avoir comme plan masque de face, masque de cheveux, une bonne douche, mais tu sais, comme une bonne douche, et c'est tout. Sauf que là, il fait vraiment beau. Fait que tu sais, on dirait que c'est comme pas la journée idéale pour rester à la maison et rien faire. Fait qu'on est en pleine décision, voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Mais pour l'instant, il faudrait juste que je plie mon petit divan ici. Mais le reste, pour vrai, hier, j'ai tout ramassé, fait qu'il y a comme rien. Ça a l'air de rien, là, mais c'était tellement en bordel, là. Là, genre, le plancher est, ben, pas propre, mais est vide. Il n'y a pas de jouets qui traînent. Puis même sur la table, il y a juste le linge que j'ai commencé à plier. Fait que je suis ben heureuse. Donc là, nous, on va... D'après moi, Axel va se rendormir, là. Il commence déjà à être brûlé. Il est en train de manger sa tout complet. En tout cas, de le faire manger, je vais le faire boire après, puis sûrement qu'après ça, je vais le canter pour commencer à plier mon linge. Puis je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Là. À tantôt! Il est rendu midi à peu près. Je vais vous montrer comment que j'organisais mes affaires pour le changement de saison. Donc, à donner. C'est-à-dire ce qui ne fera plus aux filles l'été prochain ou qui fait plus. Ça, c'est à plier. Ça va être le linge d'été qui va faire encore l'année prochaine. Je vais rouler ça. On a mis ça dans des bacs qu'on a achetés au Walmart. Et à laver, parce qu'on va se dire, les filles, leur chambre. Tadam! Après ça, je m'en vais faire ma chambre. Regardez comment ça débordait de partout. Là, c'est sûr que là, il y a full de linge à plier en bas, là, mais... C'est fou comment que ils ont de l'espace puis on avait de la misère à fermer le tiroir. Donc il est rendu 5h31. Ça y est pas bon là. Quelle heure? 5h15. Il est 5h15 et oui, je suis encore en pyjama. Et où? On a fait un sondage sur les Instagram pour savoir qu'est-ce qu'on... On a laissé Instagram décider qu'est-ce qu'on soupait. Et on avait donné le choix entre crabe et chinois, parce que c'est les deux premiers choix qui nous est venu en tête.
Puis toute la journée, ça a été 50-50. Puis au moment où Max est allé chercher Ali pour se faire compte. Ah, Ali, viens, va, viens montrer. Elle est vraiment laide. Regardez. quand il est parti, j'ai dit, OK, okay. Là, je check. Puis c'était 51 versus 49. Puis c'était 51 crabe. Fait que là, Max s'est dit, je vais aller chercher du crabe en allant chercher le paquet. Le paquet. Le chien. Et il n'y a pas de crabe à ce temps-ci de l'année. Fait qu'on était mal foutus. Fait que finalement, on est pris à commander du chinois. Mais là, on ne sait même pas s'il est jusqu'à chez nous. Fait que c'est soit que... En tout cas, Max va appeler. Appelle donc, hein? Il faut choisir ce qu'on veut, hein? Faut choisir ce qu'on veut. Fait qu'on va choisir ce qu'on veut. Moi, je vais aller donner le bain aux enfants. Pendant que Max fait les pâtes aux filles. Ensuite, je vais prendre ma douche. Faire ma mission de me faire un masque de face. Un masque de cheveux. Je me sentais vraiment mieux raser mes jambes parce que c'est vraiment affreux. J'ai l'air d'un... Comment ça s'appelle? Un... Tu sais, ceux qui se rasent pas, là. Oui, allô? Et c'est pas mal ça. Fait que je vous tiendrai au courant si on réussit à se faire livrer des chinois. Message qu'ils ont oublié d'enlever ou si c'était vrai. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, nous y pourrons un problème de gaz, donc nous allons faire des rénovations. On est normal. Chef, il y a un vrai problème de gaz que nous éprouvons en ce moment. Nous serons fermés pour une durée indéterminée. Fait que les deux choix qu'on a faits, ça marche pas. Non! On mangera ni du crabe, ni du chinois. Merde, mais là, t'as voulu manger quoi? Ben, check l'étoile. Non, ça va. Oh, ben, check le menu avant de chialer. Hein? On va discuter de la question soupe. Ah, ben, ça, tu veux manger des sushis, c'est ça l'affaire. Bon samedi, non, bon dimanche, on vous a pas parlé ce matin, on vient de tourner notre Q&A et c'est j'ai renversé mon verre de vin sur moi. Il est rendu, je sais même pas quelle heure, une heure genre, les filles dorment et on a fait pas mal de ménage aujourd'hui qu'on dirait que ça paraît même plus. Check. Sérieux là, on capote sur le ménage ici. On capote pas parce que c'est pas propre. On capote parce que c'est jamais propre. Donc, plan de match. On attend que les enfants se réveillent. On va se préparer tranquillement. Et après ça, on va se diriger chez le même couple d'amis que vendredi parce que Max, il faut qu'il finisse sa job de juin. Et on va manger une fondue en écoutant. Oh, des... Yeah! Lundi matin! Et oui, hier, j'ai trop pas vlogué pour vrai. La journée a été vraiment productive. Donc, je vais vous faire un petit update avant de fermer. Eh ben, fermer mon vlog week-end! Donc, dans le fond, c'est samedi, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que on allait souper entre du crabe et du chinois. Comme je vous disais, c'était full serré. Finalement, le mois, on votait. Crabe. Max est allé pour... Ben, c'était 51 versus 49, là, comme je vous disais. Max est arrivé, il n'y avait pas de crabe nulle part. On est venu pour commander du chinois. Le resto de chinois dans mon coin a fermé! C'est ça. Donc là, finalement, on s'est commandé chacun ce qu'on avait goût de manger. Max s'est commandé une petite pizza avec des ailes de poulet. Puis moi, des sushis, comme d'habitude. Mais là, j'en ai choisi des nouveaux. Dans le fond, nous, c'est Sushi Taxi qui livre ici. Il était so, so good, pour vrai, vraiment. Ensuite, dimanche, c'est là que j'ai vraiment pas vlogué. On a vraiment fait des ménages, genre ménage de toutes les... J'ai fait le ménage des tiroirs à tout le monde, genre le linge d'été, le linge à donner, tout est enlevé. Il y a juste comme... On dirait, j'ai passé la journée à faire du ménage, mais nos chambres sont vraiment bordel, parce que justement, il y a comme des piles et tout le tralala. Et après le dîner, on est allé... les filles ont fait leur sieste.
Puis après, on est allé chez mon ami Val. Je vous ai filmé un mini bout. On a mangé la fondue devant OD. Oh, je me fais énerver. Vous me le direz en commentaire si vous écoutez. Si vous écoutez OD. Et c'est pas mal ça qui s'est passé. Hein? Ça a quand même bien été, là. Lui, il a dormi le trois quarts du souper. Puis j'ai fait un sondage sur Instagram aussi. Hier, c'était la journée des sondages, je vous dis. Les Instagram mangeaient des saucisses cocktails avec leur fondue. Je vous explique, moi, je fais des saucisses à hot dog dans la sauce VH comme accompagnement. Tu sais, mettons, au lieu de faire salade, riz, ben ça, c'est un accompagnement, patates et tout. Donc, c'est ça. Puis, il y avait quand même 43% du monde qui faisait ça. Puis, mes amis, ils me jugeaient vraiment. En tout cas, si vous avez jamais essayé ça, essayez ça. C'est ça. Donc, je vais conclure mon vlog et vous dire un peu ce qui allait se passer cette semaine. Là, on est lundi. Donc, évidemment, aujourd'hui et demain, je travaille de 2 à 10 en masso. Mais aujourd'hui, là, il est 9h20. Je vais essayer de clencher. J'ai des 3 factures à envoyer. Je vais sûrement mettre un vlog en ligne puis en monter un autre. Je vais essayer d'être efficace dépendamment de lui, comment il est. Ensuite, je vais travailler. Mardi, j'ai les enfants puis je vais travailler en après-midi. Mercredi, je vais probablement vlogger. On va sûrement aller au vignoble des Vendanges. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Je pense qu'il y a comme... on peut récolter... C'est récolte courge et citrouille puis on peut... goûter à de la bière, à du vin. Au début, on voulait y aller juste moi et Max puis Axel pendant que les filles sont à la garderie. Mais vu que on peut cueillir comme courge et citrouille, on va aller... je sais pas comment on va s'arranger. Soit je garde les filles puis qu'ils font leur sieste comme en chemin parce que c'est comme à Saint-Joseph-du-Lac ou on va les chercher tout de suite après leur sieste à la garderie. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Sûrement, je vais vlogger mercredi. Jeudi, je vais voir Céline! Et je suis bien trop énervée, j'ai tellement hâte. Je l'ai vue une fois, il y a exactement, je me souviens parce que je venais de me séparer avec mon ex. Là, ça fait 7 ans, je pense 7 ans, c'était malade dans la tête. Et on est au même place, on est dans le fond, dans les rouges, mais tu sais, la première rangée des rouges dans le milieu, là, on est vraiment, vraiment bien situé parce que moi, j'aime pas ça être au parterre, là, je trouve qu'on voit mal. Fait que je prends tout le temps les billets, les rouges. Ça, c'est jeudi. Vendredi, on descend à Québec tout le week-end avec notre famille. Donc, on avait invité nos parents puis les parents à Max parce que c'est une collabo que je fais pour l'ouverture des remparts, le tailgate et tout. Je suis même contente, pas ça. On va, dans le fond, c'est en fin de semaine, mais on arrive le vendredi après-midi. On va aller aux galeries de la capitale, probablement faire des manèges. Et le soir, on va souvent aller aussi pour resto, puis un peu chiller dans la chambre d'hôtel. Les enfants, ils aiment tellement ça, nous, aller dans les chambres d'hôtel, que ça va être bien, bien plaisant. On va s'amener des petits jeux. Le samedi matin, je fais une surprise à Eléa. On s'en va au salon Paris-Cartes à Québec, justement, qui est comme à même pas 20 minutes de là. Et on se fait coiffer, on se fait faire les ongles. Je vais faire une petite activité avec ma grande, ça fait longtemps. Puis après ça, à 2h15, c'est le tailgate que du popcorn, des jeux gonflables, un photographe, ça va vraiment être cool. Puis c'est ça, on va voir la game en après-midi. Puis on va sûrement redescendre, à moins qu'on décide de dormir encore le samedi. Mais on va voir comment ça va avec les enfants. Donc c'est pas mal nos plans de cette semaine. Je vais vous faire un petit résumé puisqu'on se parlera sûrement pas avant mercredi. Donc je vais essayer de faire voir lui, voir comment il gère sa vie. Puis, on se voit dans un prochain vlog. Hey, un gros merci d'avoir suivi ce vlog week-end. Je pense que c'est vos préférés parce que, justement, on fait plein de trucs en famille. Donc, je vous remercie et on se voit dans un prochain vlog.